Mais alors que Guillaume pense en avoir fini ce soir avec cette affaire, l'agresseur au couteau fait à nouveau parler de lui. On repart sur une bagarre exactement au même endroit avec un individu qui a un couteau. Mais cette fois, l'individu est repéré et il devient de plus en plus dangereux. Un véhicule de Peugeot de couleur grise, pas de casque de matriculation. L'auteur qui a sorti le couteau est dans le véhicule. Il a foncé sur la foule, donc il n'y a pas de blessé. Et il a pris du danger pour partir. Direction Montpellier, sur la 232 reçu. Pris d'un coup de folie, plus rien ne semble arrêter l'agresseur. Le problème, c'est qu'il risque de prendre beaucoup de risques sur la route. Et l'avenue du Grand Travers, c'est dangereux parce qu'il y a tous les gens qui sortent de boîte, qui sont à pied. On est dans le noir, et c'est compliqué. Guillaume craint le pire. D'ailleurs, quelques instants plus tard, mauvaise surprise sur cette fameuse avenue du bord de mer. Oh putain! Ouais, mais là, on dirait qu'il y a un carton parce que ça bouchonne sur la... sur la route de la mer. Ouais, il y a un carton. On voit les pompiers. Pour les gendarmes, l'intervention va prendre une tournure autrement plus dramatique.